ensemble comme l'arche de Noé. De siècle en siècle, sur les pas de Yeshua, Jean-Baptiste et Myriam. Si vous avec toutes les personnes qui ont organisé cet événement, pour te souhaiter la bienvenue à Villeurbanne. Moi, je suis né à Canada, mais j'ai dit depuis une trentaine d'années, c'est ma ville sentimentale, Villeurbanne. Donc, je te souhaite la bienvenue et je te laisse la parole pour dire bonjour à tout le monde et après, on reprendra la parole. Bonjour à tous les amis qui sont là. Et je suis ravie parce qu'on se verra mieux après. Voilà. Bisous, bisous. Alors, grâce à toi, le film est enfin terminé, n'est-ce pas, Bruno? C'est une grande aventure qui dure depuis un an et demi, deux ans. Hein, puisque nous avons, Bruno et moi, la chance de côtoyer très souvent Henriane de Chaponnet. Et que nous, chaque jour, nous constatons l'immensité, la richesse de sa vie. On s'est dit avec Bruno, mais ça serait une bonne idée de faire un film. Et ça tombait bien parce que Bruno est réalisateur. Et c'est un réalisateur merveilleux. Des animaux. Oui, c'est un grand spécialiste du film animalier, qui me permet de te présenter. Et Henriane est très fière de figurer dans les trophées de films, des films animaliers de Bruno. Voilà, mais c'est avant tout, moi je vais laisser très vite la parole à Bruno, parce que c'est lui le réalisateur, et il a fait un travail absolument magnifique. C'est juste un jour que j'ai eu cette idée, et puis Bruno l'a mise au monde. C'est inversé, d'habitude, c'est les dames qui mettent au monde. Là, aujourd'hui, c'est le monsieur qui a accouché d'un très joli film d'amitié. Et je crois que je voudrais juste souligner ça. C'est qu'il y a toute une petite équipe qui s'aime beaucoup et qui aime beaucoup Henriane et qui a décidé de laisser des traces vivantes de sa vie, puisque nous nous sommes beaucoup inspirés du livre « Toile filante » que Geneviève a eu la gentillesse d'apporter, qui là fait le récit de la vie d'Henriane et qui a été coécrit avec une amie brésilienne d'Henriane qui s'appelle Ligia Segala, voilà. Et puis, petit à petit, Bruno a pris sa caméra, il a été interviewé, nous avons fait des allers-retours, mais Bruno, tu vas nous raconter comment tu as fait. Oui, bonjour à tous et merci d'être là. Merci vraiment à Chucky parce que c'est lui un petit peu qui nous rassemble aujourd'hui. Parce que le film, il sort vraiment, le mixage a été fait jeudi. Et donc, on a eu le temps de faire les exports. Et donc, c'est un film qui n'est pas tout à fait terminé. Hein, donc, je suis content qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Mais on fera d'autres projections. Parce que quand on n'a pas de recul, on n'a pas pu avoir vraiment le recul de le peaufiner. Donc, il y a des moments où ça se bouscule un peu au niveau information. Donc, il y a des moments où il faudra le faire respirer. Mais donc c'est une avant-première et je suis très content que Chucky m'ait poussé à le finir dans ces temps-là, parce que comme ça on va pouvoir l'affiner. Et voilà, ben, c'est un film qu'on a fait avec le cœur, je dirais, et on retrouve beaucoup de personnages qui nous entourent, surtout avec les dialogues en amitié. Voilà, ben, je vous laisse la projection. Et puis, j'ai fait un lapsus, dialogue en humanité. On se revoit après pour poser des questions que vous pourrez poser à Henriane, d'ailleurs, qui sera contente de vous répondre. Henriane de Chaponnet. Je suis une jeune femme de 94 ans. J'ai traversé deux siècles. Ma vie est un long voyage, tissé par des liens d'amitié avec tous les peuples. Mais aussi avec la nature, et particulièrement les animaux. Voilà le héros qui revient, à pas feutré. Je l'ai vu il y a deux jours, mais ça faisait plus d'un mois que je l'avais pas vu.
Si j'ai accepté de faire ce film sur mes amis et moi, c'est juste pour laisser un témoignage aux générations futures, car mon voyage de vie a traversé deux siècles. Je suis témoin et humble actrice de quelques grands changements de l'histoire du XXe et du XXIe siècle. Aujourd'hui, notre humanité doit choisir, car nous sommes tous interdépendants. Nous devons nous mobiliser pour la préservation de l'écosystème. En fait, ta vie était prévue sur un chemin et tu as changé de chemin. Tu as montré que d'autres chemins étaient possibles. Ouais, grâce, je dis toujours que c'est grâce aux événements. On est pris dans les événements et les rencontres. Donc, actuellement, je me passionne pour tout ce qui a trait au rapport à la nature, aux animaux, à tout ce qui est à notre planète, à la biodiversité. Comme dit Edgar Morin, notre terre patrie, elle a une longue, longue histoire de milliards d'années depuis qu'elle s'est formée et qu'il y a eu des changements de climat énormes. Celle des familles royales qui pendant 1000 ans firent l'histoire de l'Europe, celle de l'ancienne aristocratie française, et celle des paysans du château familial de La Flachère, avec lesquels j'aime courir dans les champs. Ben, j'ai passé ma jeunesse à la campagne. Donc, c'est à cette occasion-là que j'ai connu l'intimité à la fois de la forêt, des travaux des champs, et les animaux. On avait un petit poney. On avait un petit âne qui courait avant nous pour manger les mûres. Quand on allait pour cueillir des mûres, ce petit âne, c'était un petit coquin. Il courait en avant et lui, comme nom, 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 il mangeait les mûres sur les buissons. 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale vient frapper de plein fouet l'Europe et notre vie familiale, les troupes allemandes entrent dans Paris. Commence alors l'exode, avec ses peurs et ses privations, pour les plus humbles comme pour les privilégiés. Ma famille quitte la France pour s'installer au Maroc. Je découvre la terre d'Afrique du Nord, le peuple marocain, la culture musulmane. Quelques mois après notre arrivée, mes parents nous envoient, mon frère et moi, chez notre tante Marie-Louise aux États-Unis. C'est une nouvelle rupture, une nouvelle vie dans les grands horizons d'Amérique du Nord et un nouveau goût de liberté. Mon oncle possédait de beaux chevaux noirs. Depuis toujours, les chevaux ont été pour moi une passion. Quelle beauté, quelle force, quelle finesse! À travers l'histoire de l'humanité, le cheval n'a-t-il pas été à la fois un compagnon et la victime de toutes les folies humaines? J'ai des souvenirs de bonheur quand je pense à ces formidables moments de balade en pleine nature. Il y a, dans ce coin d'Amérique, des nuits extraordinaires, remplies de lucioles, des bouquets de lumière. Elle a un parfum subtil. Je fais partie de ceux qui admirent Anne, et j'étais toujours très impressionné par le courage. Il a montré toute sa vie pour la justice, pour les gens qui sont exclus, pour le pauvre. Oui, pour moi, c'est une des personnes qui m'a inspiré beaucoup. Je crois que cette rose, c'est vraiment l'hommage que
tu méritais. Eliane de Chaponnet nous a fait l'honneur en 2014 d'être au Bénin pour les premiers dialogues en humanité. Et toutes les femmes qui étaient là ont dit ça, c'est la bravoure féminine. C'est un exemple à suivre. Je crois qu'Eliane est vraiment l'âme de nos dialogues. Eliane et moi, on s'est rencontrés chez elle la première fois en 1971. Donc il y a des décennies. Et notre amitié a augmenté chaque jour, chaque année. Moi, ce qui me touche, chez toi, la table est toujours ouverte. Avant l'accueil, tu accueilles tout le monde, et ça, c'est le plus important. On cherche l'humanité, mais tu es l'humanité qu'on recherche. Ou você escolheu uma rosa, né, como representação do teu próprio coração, da tua alma. Je te transmets toute ma gratitude. Pour être une rose de la solidarité. Je me sens riche aujourd'hui d'une merveilleuse amitié. Et Oriane, elle a la capacité de entrer d'une chemise dans une autre, d'une facilité, avec une humilité incroyable. Je voudrais te dire merci parce que nous nous sommes connus avec notre amie Geneviève à l'heure où. Grâce au dialogue en humanité, les personnes sans-abri ici à Lyon ont eu la possibilité de pouvoir s'exprimer complètement, d'avoir une place de citoyen. Et mon nom est sorti et Oriane a dit vous pouvez lui faire confiance, je l'ai connu bébé. On suit Oriane comme on suit l'effluve d'une rose. On peut aimer la couleur. Et puis, on sait aussi que si on lui marche sur les pieds, elle peut avoir quelques piquants. Il y a effectivement dans l'antre d'Oriane, qui a accueilli à peu près tous les réfugiés politiques du monde entier, il y a un lieu qui est particulièrement central pour la subversion mondiale, c'est la cuisine d'Oriane. Il ne faut surtout pas trop m'isoler, parce qu'en fait, c'est collectivement qu'on a fait des choses et qu'on fait ensemble, collectivement. Il était une fois un vendeur d'eau. Tous les matins, il allait à la rivière remplie de cruches. Il y avait une cruche toute neuve, elle contenait toute l'eau. Il y avait une autre cruche bien fissurée et l'eau coulait tout le long de la route. Et la cruche qui est fissurée se sentait inférieure à l'autre cruche. Et elle s'est dit, mon Dieu, à cause de moi, mon patron ne ramasse pas beaucoup d'argent, alors que l'autre cruche neuve lui rapporte beaucoup d'argent. Alors, dans sa détresse, il a décidé de se confier à son patron. Et lui a dit, voilà, moi je ne suis utile à rien du tout, je te fais perdre de l'argent parce que je suis fissurée de partout et chaque fois que tu m'amènes pour te faire de l'argent, eh bien toute l'eau est laissée sur la route. Est-ce que tu ne ferais pas mieux de me jeter? Alors le patron a réfléchi, ne lui a rien dit et le lendemain, quand il se rendait à la ville pour vendre ses cruches d'eau, il a dit à la cruche fissurée, « Regarde au bord de la route, qu'est-ce que tu remarques ?»« Ah oui, je remarque qu'il y a plein de fleurs partout. Oh, que c'est beau !»« Eh bien, tu vois sans le savoir, c'est toi qui arroses tous les matins les graines que j'ai mis à planter et ça a donné ces jolies fleurs que tu vois aujourd'hui. Donc, il faut te dire que chacun de nous a une fissure. » Mais Dieu sait en fait des merveilles quand on le lui dit. Magnifique, magnifique, avec les pétales de rose. Voilà, bravo tous. Après la petite perspective provinciale de la citoyenneté mondiale, de poser la question de la citoyenneté cosmique. Quoi. C'est quand même ça la grande affaire.
Il y a toujours ce peuple qui marche, ce peuple qui en veut encore. Il marche vers la lumière du ciel, nous n'en sommes qu'au tout début. Il y a toujours ce peuple qui marche, ce peuple qui se cherche encore. Il marche dans cette plaine immense, nous n'en sommes qu'au tout début. On nous avait pourtant dit que tout était fini. Oh, quelle image, la fin du monde, la fin de tous les temps. Mais on ne savait pas qu'il fallait traverser toutes ces années pour retrouver l'immensité sacrée. Mais il y a toujours ce peuple qui marche, ce peuple qui en veut encore. Il marche vers la lumière du ciel, nous n'en sommes qu'au tout début. Il y a toujours ce peuple qui marche, ce peuple qui se cherche encore. Il marche dans cette plaine immense, nous n'en sommes qu'au tout début. Nous naviguons ensemble, comme l'arche de Noé. De siècle en siècle, sur les pas de Yeshua, Jean-Baptiste et Myriam. Vous voyez dans le ciel ces lumières apparaître, puis disparaître. Dites-vous bien que ça n'est pas un mirage, car c'est toujours ce peuple qui marche, ce peuple qui en veut encore. Il marche vers la lumière du ciel, nous n'en sommes qu'au tout début. C'est toujours ce peuple qui marche, ce peuple qui en veut encore. Il marche dans la lumière dorée, nous n'en sommes qu'au tout début. Avance, fais confiance, avance. On nous avait pourtant dit que tout était fini. Et j'ai souhaité que, comme on avait réservé depuis un an pour cet événement, moi je voulais qu'on respecte l'engagement qu'on avait fait, et je suis content de voir que l'essentiel c'est que vous avez un super film. Couture très modeste tout à l'heure où tu dis que c'est pas fini, c'est pas... oui, il n'y a pas, voilà, mais déjà le premier scénario que vous avez fait, un travail remarquable. Merci beaucoup Bruno et Nadine, parce que c'est vrai que le film est très réussi, et Bruno, comme je t'avais dit, spécialement contente que ce soit toi qui étais le cinéaste, parce que tu es un cinéaste de l'amour. Donc je te l'avais dit à un moment, ça m'a fait grand plaisir. Et je trouve que le film, bravo à vous deux, parce qu'il est vraiment réussi. La vie de Henriane est tellement riche que raconter en une heure et quart tout ce qu'elle a parcouru, c'est un défi immense. Il faudrait plusieurs films, plusieurs heures. Mais en tous les cas, voilà, j'ai été content et je voulais remercier aussi Ligia, c'est certainement aussi grâce à elle qu'on a pu rechercher dans les archives de votre livre que vous avez fait toutes les deux, Henriane et Ligia, qui nous a donné un socle important pour pouvoir construire ce film. Et puis les dialogues en humanité aussi qui sont très présents, parce que le travail de Geneviève, de Jean-Jacques et tout ce qu'ils font dans le monde entier, ça nous a aussi porté, et Chocky en fait partie aussi, donc voilà, il a fait plusieurs interviews, il est modeste aussi, parce qu'il interviewait Edgar Morin, Stéphane Hessel, etc. Donc Chocky fait partie vraiment aussi du film, et Bachir, dont on a vu les images, qui avait filmé à la roseraie, qui a fait des très belles images d'Oriane, que j'ai remis à plusieurs fois dans le film, parce qu'il a une belle sensibilité.
possibilité de capter cet instant avec les roses qui sont si chères pour Oriane. Voilà, je voulais remercier un peu tout le monde. Voilà. Rentrer un petit peu dans le fond des questions qu'on a travaillées quand on a fait ce film. Parce que au-delà, ce qui nous a motivés, c'est au-delà de la personne d'Oriane et de ses trajectoires magnifiques. Oriane a dit à plusieurs reprises, mais moi, c'est pas important, c'est tout ce qu'on fait ensemble. C'est un regard sur la manière dont la société civile a commencé à prendre corps et à prendre force dans la deuxième partie du XXe siècle, dans ce début du XXIe siècle. Et de voir aussi, à travers nos anciens, si je puis dire, même si je commence moi aussi à avoir des cheveux blancs, de repérer ces forces de vie qui ont été des acteurs qui ont gardé le flambeau allumé, qui ont su à plusieurs reprises, comme ce merveilleux Chico, comme Ben Barka, comme des gens à un moment donné, face à l'adversité, se sont levés, ont dit non et ont fait corps ensemble. Et de voir là, il y a eu des moments magiques dans le film, comme il y a des moments magiques dans la vie. On est très touché de voir qu'à un moment donné, quand on y croit, tout devient possible. À un moment donné, quand Chico parle de la naissance du Forum social mondial, c'est aussi des pièces qui sont extraordinaires, des témoignages extraordinaires, de dire, tiens, on a une idée, tiens, entre deux verres comme ça, entre deux téléphones, avec nos femmes, on se dit, mais c'est génial ça. Et tac, 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 la vie nous emmène et... En une fois, il y a 20 000 personnes qui sont là. Et je repense aussi à la manière, je n'étais pas au tout début de la naissance des dialogues en humanité, mais à un moment donné, Geneviève pourra témoigner, de la manière dont, grâce à des hommes et des femmes qui sont des flammes, comme dirait Fazette, qui sont des gens debout, qui y croient et qui ne doutent pas une seconde de rien, on peut transformer le monde. Et c'était ça. Moi, dans la manière dont on s'est réparti les tâches avec Bruno, lui, c'était le professionnel. Moi, je ne suis pas du tout une professionnelle du cinéma. C'est juste quelqu'un qui essaie de sentir, de mettre en évidence les forces, les lignes de force de la trajectoire de Judith Oriane. Et Bruno avait le regard de l'homme de l'image, en disant, et à chaque fois, les petits débats entre nous, c'était de dire, non, mais il y a trop de texte. Bruno me disait, il y a trop de texte. J'ai dit, mais non, mais c'est le fond qui passe, là. Et c'était vraiment intéressant de voir comment deux perceptions différentes ont co-construit un film. Et c'est vrai, Bruno, t'as raison, au début, il y a un peu trop de texte, mais en même temps, il faut garder le message de fond. Et ce que je trouve très beau, c'est de voir tout au fil de l'évolution de... à la fois du film et de notre vie d'humanité, comment ça monte en puissance et comment cette société civile que nous sommes commence à prendre des forces de plus en plus grandes. Et comme, pour terminer par la chanson que je trouve très belle de notre ami Michel Garnier, nous sommes un peuple qui marche et on n'en est vraiment qu'au tout début. Donc, on se trouve embarqué. Collectivement, et que les amitiés se nouent et qu'elles se nouent autour de projets aussi. Si vous voyez dans le ciel ces lumières apparaître, puis disparaître, dites-vous bien que ça n'est pas un mirage.